Les aventures d'Alex et Jackie. Ils ont été capturés de cochons. Les aventures d'Alex et Jackie. Il pleut comme vache qui pisse. C'est quoi cette météo de merde? Je ne sais pas. Mais là mon gars, là on en tient une bonne. Attention, oh, sa gueule. Les étoiles d'un voleur. Oh bah let's go. Ouais, chaud. C'est parti. A mon avis, la mission là va être pépère. So, you had a run-in with the captain. I know about it. Oh, in what stars whisper old suds they do. They're his best friends and they keep their secrets. Mistake. Captain Briggsy was the smartest pirate on the seas, and Suds was the only one she trusted to read the stars. Ouais. The only one to have a spyglass as special as hers. And a great warrior should be in a pulse with the serpent soon, I see. So now you're seeking the stones, trying to part the fog and following the captain's footsteps. Take these papers, Suds made. Better find that special spyglass too, eh? The captain hid it when she left Suds behind, and now it can't see the stars. Use it to take a peek at Suds' friends. If you're worthy of the captain's treasure, they'll show you where to sail. Be sure to bring them papers back to me, though. They're not for keepsies. Oh, my dear queen, all that chromospheric volatility. So unbecoming. Are you still here? Mm-hmm. No correlation. J'ai rien compris. Care. Tu vois ce que je vois devant nous? Ah! Et là, je pense que le doute n'est pas permis. De quoi, attends, y'a pas des trucs à piquer chez lui là? Ah, des boulets de canon. J'ai rien compris sous le papier, hein, je le dis. Je pense qu'il faut, il faudra faire de nuit et suivre les étoiles en fait. Ouais, bah à Landour, je sais pas où aller. Hein. Donc, de toute façon, si je comprends bien, la première, il faut qu'on retrouve sa longue vue. Oui, oui, ça j'avais compris. Donc face à l'étoile polaire, donc faut... Bah, faut attendre la nuit en fait, faut juste trouver l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est l'étoile du nord. Je vois l'île où nous avons laissé à l'abri des regards, ok. Ouais. Oui, si, bah l'étoile du nord, c'est l'étoile, oui. L'étoile polaire, ça indique toujours le nord. On est d'accord. Attends, ma logique, face à l'étoile polaire indique le nord, ok ouais. North Star, étoile du Nord. Oui, c'est Rome Runner, ouais. Donc, pour moi, c'est Rome Runner. Ouais, ouais, c'est Rome Runner, sûr. Vas-y, on tenterait pas ou est-ce que ma déduction est foireuse? Vas-y, on va voir. Hein. Son, ça coûte rien, on est à côté. On connaît. Oh, ça serait... Alors là, comme déduction foireuse, on serait vraiment dans le sublime. Hein, mais face... si c'est vraiment ça, face à l'étoile du Nord, enfin, face à l'étoile polaire. Autrement dit, l'étoile qui monte le nord. Ouais, ouais, ouais. La coïncidence peut être trop belle. Sauf que c'est un gros bullshit, c'est pas ça du tout. Rum Runner! Ah, c'est petit de toute façon. Ouais. Une lanterne. Déjà, la théorie a l'air foireuse, y'a pas de lanterne. Sous une lanterne suspendue. Ah là! Non. Mais c'est ça, mec. Si, si!
Mais c'est une déduction des plus foireuses. Le bullshit. Mais c'est du gros... C'est du gros coup de cul. C'est énorme. Ah, quand tu restes dessus, ça te fait la forme. Sur quoi? Sur... regarde, tu mets la longue vue. Dès que t'as une const... Tu vois les étoiles qui brillent quand tu restes sur dessus. Ça te fait une forme. Ah ouais. Ah le crabe. Ouais, le crabe. Où ça? Tu regardes où toi? Là, près du nuage là. À l'angle du nuage. Allez. Le triangle là? Allez, ouais. Le crabe. Ok. Là il y a quelque chose d'autre. Là je sais pas ce que j'ai le cochon je crois. Bon attends, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on découvre quoi nous? Ah attends, perdu un œil. J'ai trouvé ce couplet dans les affaires de la capitaine, elle m'a dit qu'elle avait essayé de le déchiffrer, mais elle a brisé sa longue vue afin d'y parvenir. Pas de chance, je connais une île correspondant à la description dans la direction du cyclope depuis mon relais. Cyclope c'est quoi? C'est ah, ça, c'est, ça ouais, c'est le requin cyclope ça. Ok, on va vers là. Le requin cyclope, il pointe... Sud, plein sud. En plein sud, on a quoi? Bon, allez. Puisqu'on est dans le bullshit, autant aller jusqu'au bout. Ça nous a réussi jusque-là. On cherche le requin cyclope. Ok ouais, il est au sud. Et tu descends, il y a une île au sud. Et il y a une île qui s'appelle Shark. Est-ce que tu crois au bullshit jusqu'au bout? C'est quand même pas ça. Mais mec, sud, à partir du relais. Donc je considère que le relais, c'est North Star Sea Post. Ouais. Donc full sud. Ça peut pas être le fort perdu. Sharkbait? Ça peut être que Sharkbait. Ou alors elle porte bien son nom et c'est un bait. Mais on a qu'à juste suivre la constellation du requin et on se met juste en dessous. Ben c'est sud. Oui, mais elle est pas... Non, c'est juste une direction, la constellation. Je sais pas pourquoi, mais la baie des requins, tu vois, comme ça m'emballe pas des masses. C'est un requin cyclope, hein? Peut-être. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Dans l'abysse, c'est garder mon tour tourné. Tourner à mon rival dans le ciel. Le rival du... Attends, mec. Attends. C'est ça, ouais. Y'a pas un truc d'histoire de rival, là? Espion du Kraken affronte le Scarabée. Faut trouver le Scarabée, mec. C'est quoi le Kraken? Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est là. T'es où? Attends, t'es où, mec? Je te vois pas. Sous l'eau. Ah, nice. Bon, bah... Il était juste en dessous de là où t'es assis. Ok. Bah c'est cool. Ah ouais madame, tu veux jouer, on va jouer. Hein. Je vais te mettre sur le côté gauche. Côté gauche. Putain mais... Ah. Attends, je prends le relais. Ah là, t'es parfait, Benito. Abordage. Ah, il m'a éjecté, non. Ah, le salaud. J'y suis. C'est un gros sac. J'ai tué. Et bah coule son bateau. Allez, pose les amarres. C'est trop petit mec pour être là. Hein. Mec, c'est trop petit pour que ça soit là. Hein. C'est sûr. Sous la terre, sur l'île la plus petite. Sous la terre. Ah, regarde. Ah, mais on sait pas où creuser.
sur l'île, ça veut dire qu'il y a plusieurs îles, ok. Ça c'est une île. Ça c'est une île. Ça c'est une île. Non mais mec, il y a l'autre, il y a la suite après hein. Ça c'est une petite île ça. Ah Chucky. C'est pas possible, enfin je comprends pas que ce soit possible. Ah. Si. L'instinct bénitien. Non, je vérifie juste une théorie. Moi j'ai un peu creusé sur les trois îles, mais bon. Attends, je vérifie juste une théorie. Est-ce qu'on a le serpent au-dessus? Non, mais... Il est où le poiscaille? Faire quoi avec cette merde? Bah, je sais pas. Ah, il y a l'histoire insaisissable maintenant. Visage de pierre sur un tunnel sous les vagues jamais cartographié. Faut chercher le. C'est quoi? Mec, il est passé sous l'eau. Mec! Mais y'a un mec! Oh, je suis blasé de la vie. J'ai plus envie de jouer. Non, ça sera juste la deuxième fois que ça nous arrive. Ah, parce que là, si mec on perd, je rage quitte. Hein, c'est... Oh non, on a les rubis. Ouais, mais si on vient à perdre, je rage quitte direct. Hein. Les rubis. Bah, vérifie, mais. Au lieu de faire ta musique de merde là! Vérifie bordel! Les aventures! Allez, comment tu veux? À gauche, comment là tu veux qu'on y arrive? Mais non, en face de nous! Non, c'est pas en face de nous, là on va. On n'est pas encore. Hein. On a encore deux cases à faire. Hein. Mais mec, faut plonger, il y aura personne. Non, mais qu'on se fasse pas buter quoi. Non, mais faut plonger là en fait. Et là, on va taper. Hein. Ah! Y'a des mecs. Je suis pas convaincu du tout du call là. Ils vont pas tirer. Tiens, ma bite qui vont pas tirer. Qu'elle fasse pas la conne parce que. Non, c'est bon. C'est bon? Qu'est-ce qu'elle dit? Can you help us to find. The boat for the service of old. Attends. C'est des gosses, c'est des gamins. Putain, la morue. Attends. Okay. Il est tout seul ou pas? J'ai pas envie de leur montrer en fait. On les bute après, c'est des gosses. Hein. Bon, ils m'ont rien fait après. Pas lieu de les buter en fait. Par contre, l'autre, je sais pas où elle est. Ouais, mais on a pas le. On a rien, mec. Non, mais je veux juste voir ce que c'est ça. On est déjà venu ici, je suis sûr et certain. Non. Je crois pas hein. Là je vois pas ce qu'on peut faire avec des rubis. Si c'est là, sûr et certain. Bon bah fais-toi sneaky.
J'ai trouvé la tête de Ruby. Tu vois où c'est ou pas? Ouais, c'est... je vois où c'est, je t'ai vu rentrer. Mais l'autre, il me surveille. Non, toi, il est en train d'ouvrir le coffre, mec, j'aime pas ça. Dans 5 minutes, j'en mets une. Dis-lui de sortir ou tu ouvres le feu. J'aime pas. Mec, ça me stresse parce que on va aller en bas, mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec le bateau. Et puis l'autre bateau, là, qui est là-bas. Ils vont nous tirer dessus. Vas-y, go, mec. Ils sont plus là, ils ne regardent plus. Tu vois? Ouais. Ah, mais on est déjà venu ici, en fait, ici. Mais oui, je t'ai dit qu'on était déjà venu. Quand tu viens? Le joyau. Placez le joyau. Ils doivent entendre le bordel, ah mec. Ah ouais, là, c'est sûr. Y'a tout qui s'éclaire. Hop, on prend le totem, on se tire. T'as pris le totem? Ouais. Prends le coffre avec toi, ça fait un bait. On dit qu'on l'a pas trouvé. Attends, je me heal. Vas-y, laisse-moi partir devant, je dis que j'ai pas trouvé. Mec, je te jure, prépare-toi à flinguer. Hey guys. Prépare-toi à flinguer, hein, parce que là... Les bouffeurs de saucisses... Ils font quelque chose? Non, ils nous donnent un coffre. Il veut jouer ils sont encore sur le bateau ou pas? Non, mais je pense qu'il est tout seul en fait et il veut jouer avec nous. Il déplace tout son butin parce que son pote l'a lâché. Where is your friend? He's going off. He cannot play. Il est tout seul. Il place tous ses coffres ici, on le bute, on récupère les coffres. Bon, on part tout sur lui, on bat les couilles. On est vraiment des gros salauds si on fait ça. Il a perdu sa game. Hein. Wait, I have one chest, wait. Allez, roule. Il va gueuler, hein. Ça va chier, bah, le gosse qui chie. Allez, roule. Allez, bordel. Ça va. Les pires pirates. Descends la voile, nom de Dieu. Allez. Salut. Il va gueuler, hein. Bon, bah les couilles. Il est pas chez lui. Mets la voile dans le bon sens, bordel. Allez, Walker. Oh là, il rattrapera jamais. Il va chialer. Il va dire qu'on est les pires ordures de l'histoire. Bon, bah les couilles, je sais pas où on doit aller. Ah, j'ai envie de faire la musique triste. Cause de merde. Et on doit aller où en fait là, parce que... On s'est barré comme des gros voleurs. Mec, il nous a posé tous ses coffres. On a tout pris? Attends, me dis pas que... On a oublié... Oh non, mec. On n'a pas oublié un truc. Bah... Franchement, je me demande. Putain, on va être obligé d'y retourner. Vas-y, on y retourne. Je te pose. Tu vas le voir. Moi, je m'occupe de l'autre Bambi. Oh non. Ah, y'a plus le bateau. Il s'est barré. Oh, c'est le plan parfait. Oh, la ferrage kit. Il a posé ses coffres chez nous. Il nous faisait confiance. Alors, y'a vraiment des notes ou pas? Ouais. Alors, attends. Wow! Le guerrier était en colère, l'alarme du soleil. Bah, de toute façon, c'est là parce qu'il y a le crabe. Bah, le totem crabe, c'est nous, oui. On a récupéré un totem crabe. Ouais, mais là, il y a le symbole de crabe sur le. Là? Regarde, il y a plein de symboles crabe sur le. Faut faire quoi? Le guerrier était en colère, l'alarme du soleil avait touché. Là, viens voir! Faut que tu poses le totem ici. Viens voir. Attends. Ah si, c'est ça, hein. Placez le totem. Là. Oh bah, salut. Putain, on était à côté, en fait. Ouais, bah, c'est pas plus mal. Ah, c'est comme l'autre. Tu veux pas qu'on réfléchisse un peu à la strat? Bah, y'a des symboles, en fait. Ouais, mais c'est quel symbole qu'il faut qu'on mette?
Ça, je sais pas. Parce que là, si on meurt, il faut tout recommencer. Hein. Le guerrier était en colère. La larme du soleil. C'est pas ça l'énigme? Le mystère entier, ça doit être... Attends, avant d'allumer, faut qu'on réfléchisse à quel symbole. Parce que là, c'est pas des symboles... Mec! C'est pas des symboles écrits, là. Enfin, c'est pas dessiné. Bah, y'a crabe. Crabe. L'espion de la mer Kraken. Non, non, en fait, c'est pas dessiné. C'est... Chaque ligne de texte, c'est un symbole, je pense. Le guerrier. Alors, le guerrier... Attends, moi, je vais à la page des symboles. Tout est lié, en fait. Alors, lis-moi la première phrase, s'il te plaît. Le guerrier était en colère. Alors, le guerrier... Bah, le guerrier, c'est le grand guerrier. C'est un dessin de guerrier. Ensuite... La larme du soleil avait touché son domicile. Qu'est-ce que ça peut être, ça? La larme du soleil. Domicile. La flamme. Flamme infinie, larme du soleil. Ouais, guerrier, flamme infinie. Guerrier. Il demanda... Attends, tu veux que je note? Ouais, guerrier, flamme... Attends. On se promène dans Fort Boyard. Ouais, espérons que personne passe là pour flinguer le bateau. Guerrier, flamme. Ouais, après c'est... Il demanda de l'aide au fier. Alors le fier c'est l'aigle. Attends, je crois, si je dis pas de conneries. Aigle fier. Donc aigle. Donc guerrier, flamme, aigle. Le fier céda une partie de lui-même. Donc une plume. Plume dorée, la plume dorée juste en dessous, ouais. Cette plume servit d'arme. Bah, la lance, je pense. Comme ça. Attends. La flèche, flèche d'obsidienne. Je pense, attends, je réfléchis qu'il n'y ait pas d'autre truc. Ouais, ça doit être la flèche, je pense. Destiné à l'espion de la mer Kraken. Bon, ça, c'est le requin, non? C'est pas ça, non? Bah, Kraken, c'est le Kraken. Ouais. Destiné à l'espion de la mer Kraken. Il y a ah l'espion. Oui, espion du Kraken, c'est exact. Putain, ouais, c'est chaud. C'est le requin, ça. Ouais. Ok. L'enseignant le mit en garde contre la violence. Mais le guerrier n'écouta pas. Ça c'est chaud par contre. Là c'est quoi la violence? Enseignement contre la violence. Enseignement... L'enseignant le mit en garde contre la violence. Bah Kraken du coup. Kraken guerrier. Non, je sais pas. Kraken guerrier. Mère Kraken enchaînée par les... Non. C'est qui l'ours qui dort. Vieil sage respecté de tous. Ouais, vas-y, on peut tenter ça. Ours, du coup. Et c'est quoi le dernier? Dernier c'est guerrier. C'est re-guerrier encore, je pense. Ouais. Ah, on tente? Par contre, la flèche, je suis pas sûr. Hein. Pointe en dent de croquin qui a percé le cœur du kraken. Attends, c'est ouais, quoi mais c'est plume dorée. Ouais. Oui, la plume après, dorée, ça devient une arme. Et tu fais des flèches avec des plumes. Non? Ouais. Ouais, si. Quand il cède une partie de lui-même, donc c'est la plume, et cette plume servit d'arme. Et une flèche. Une flèche, c'est quand même une arme. Oui, la dernière. Quelle dernière? La dernière phrase. Bah, le guerrier. Ah, ça veut peut-être rien dire. Guerrier? Ah ouais. On remet ouais. Guerrier, ça fait 4-4. Allez, on tente? Vas-y. Et on crève, on recommence tout. C'est pas non plus... C'est pas comme si... Alors, premier. Guerrier. C'est bon? Flamme. Ensuite. C'est la flamme, ça, hein? Ouais. Aigle. Ouais. Et plume. Ok, on valide. C'est ça. Ensuite.
Flèche. On aura peut-être un truc faux là, mais bon. Flèche. Requin. Ouais. Ours. L'ours, je suis pas sûr. Quoi. Les guerriers. C'est quoi l'ours? C'est ça l'ours? Attends, je regarde. Attends, je regarde. Ah non, il n'y a pas d'ours là sur mon truc, sur mon bloc. C'est pas un ours. C'est tortue. Soit, c'est soit le requin. Tortue. Soit ça. Tortue. Ça, c'est pas une tortue, c'est un scarabée. Et ça? Non, c'est pas ça. Ça là. Attends. Ça, c'est la sirène. Bah la sirène, c'est pas elle qui. Institutrice. Bah ouais. Attends, je vais aller voir. C'est pas ça. C'est pas la sirène. Reine des mers. Promesse éternelle. Scarabée de fer à Donelotti, pas 8. Ah! C'était quoi? Moi oh, j'ai mis scarabée. Qu'est-ce que c'est? Tiens. La pierre de Shotbreaker! Oh, on va falloir voir suite. Ouais, attends. On va se faire attaquer par les pirates! Tu peux pas récupérer la statuette? Finalement, mine de rien, elle était sympa celle-là, tu vois. Bon, tu vois, au final, la grotte là, elle a quand même un intérêt quand on y était la première oui. fois. Elle est yeux rouges aussi. L'eau est de couleur très bizarre. J'ai bien aimé, tu vois, l'énigme de fer. Attends. L'eau est de couleur bizarre. Mais toi, tu stresses pour rien aussi. C'est, ça va, c'est des algues. Ouais, vas-y. Salut, Sud. Je lui donne ou pas, parce que bon. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que sa gueule de con? Oh, c'est toi. My spyglass. Oh, allez, accouche, donne les pépettes là. I'll pass along that pretty gem. Je vais repasser ce joyau à qui vous savez, on sait pas qui. Old Suds won't forget. Doesn't want the glowing eyes man angry at him. Oh, no. So many secret stars. Declination. Me flingue pas encore. J'avais dit en douceur. Need to call a bit. Ah! Les étoiles d'un voleur, c'est terminé. Une des plus belles missions de l'histoire de Sea of Thieves. D'un côté Jax, de l'autre Benito avec Suds. Au début, ils étaient deux. La promo. On n'a pas gagné un petit chapeau, tout d'habitude on gagne un petit objet. Ah, les tatouages cosmiques. Les tatouages cosmiques. Me dis pas que t'es en train de te barrer en bateau là. Oh mais il va beaucoup trop vite. C'est quoi ce merdier? J'ai l'impression que plus il... Ah ouais mais il va à fond. Lui sa difficulté c'est pas qu'il attaque, c'est qu'il est juste très rapide en fait. C'est Sonic. Ah. Ah bah ouais. T'es mort? Oh. Oh j'ai touché. C'est le parc d'attraction ici. Viens là, c'est le parc de mutants. Ah oui. L'ancien. Oh, J'ai bugué. Ouais, j'ai volé. Ah. Moi aussi. Ah, on vole. Regarde ça. La taille du bordel. Regarde la taille. Par contre, on a un bateau qui est en train de se tirer. Hein. Oh la vache! Attends, laisse-moi revenir sur le bateau, il faut que je vienne te chercher parce que sinon ça va être trop long avec les. Les aventures d'Alex et Jackie! Ils ont terrassé le grand requin jaune! Ils ont terrassé le grand requin jaune! Ils ont fait le plein au fond de leur cale! On peut y retrouver un Cranus un peu dégueulasse. Les aventures d'Alex et Jackie. Ils ont niqué l'Allemand. Qui a pleuré chez lui. Les gars, il y a un bateau là-bas. Attends. On tire pas de suite. Waouh.
2, vas-y tire. Il va me tirer dessus. Ok friendly, ok, nice. Non c'est bon, il est friend. Hello. Hey man. Hello. Vous êtes français. Ah bah oui, salut. Salut les mecs. C'est des français? Ça va ou quoi? Ouais ça va les mecs, et vous? Ouais tranquillou, tranquillou. Ah. On débute quoi? Ouais nous aussi, on débute. Mais là, bah, faites coucou à YouTube les gars. Coucou maman, coucou papa. Coucou. Tu les entends pas? Comment t'actives? Ah il nous parle, attends. Je mais comment t'actives? Vous aussi vous avez vaincu le Kraken? Ah non. Non, on a battu le... Comment il s'appelle? Ancien Terror. Il est là lui. C'est un requin. Un gros requin jaune. Bah, et puis après, ça vient me faire la leçon. On a fait ça. Ah! Ils vont taper! Non, non, tout va bien! Tout va bien! Ah, mais non, mais mec, là ils peuvent pas, ils sont coincés. Le bout, ils touchent le. Je pense qu'ils sont coincés, coincés. Hein. Vas-y, donne tout ce que t'as! Ta 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 ta. J'ai une idée les gars. Oh ça non. Ouais, mais on est pas décoincé hein. C'est un bougigo ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bougigo. Merde, j'ai bouffé. Ah oui. Il a dit moi ils veulent pas prendre mon gigo. Ouais, celui de Jax, il est cuit, vous pouvez le prendre. Les aventures. Ah c'est beau. Là pour la caméra finale elle est pas mal. Non. Qu'est-ce que tu fous? Attends, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Attends. Les aventures d'Alex et Jackie, accompagnés par des pirates du moment. On les a recrutés sur les quais de Golden Sand. Et on les a décoincés. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Oh putain. Bon jeu. A bientôt les gars. Bonjour à vous. A bientôt. Salut. Je t'aime. Je t'aime. Merci. J'ai dit je t'aime. J'ai fait coucou. Attention requin. À droite. Pas par là. Tu vas où bordel? Wilson, il y a la tête de mort. Eh, j'ai une putain de fin de vidéo. Hein. Par contre, on est en train de couler, mec. Hein. Bah, je m'arrête là, moi. What? Ils sont attaqués, c'est quand? Vas-y, 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 on y va, vas-y. Énorme. Mec, faut réparer. Hein. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Je les entends tirer. On y va. On peut pas les laisser comme ça. Oh salopard de mutant. Connard de requin. Oh. Oh ah. La vache. Ouais. Salut les mecs. Ah. Le Shadowmon. C'est toi qui l'as tué? C'est le Shadowmon. Voilà. Bien joué les gars. Bien joué. Bon bah un peu déco hein. En plus regarde, on coule, on se laisse couler. Ouais on vas-y, moi je monte sur toi. On fait la musique. Tiens, moi je monte là-haut. Ah je peux pas. Vas-y Benito. Le Titanic. Merci. On va mourir. Putain, on peut avec la musique sous l'eau, mec. Oh, ben c'est sous l'eau. Benito. Oh putain. On coule dans les fonds marins. C'est le chat. La musique. C'est un duo. Oh, le bateau. Oh, il y a les coffres et tout.
Moi, je me laisse mourir comme ça. Ça sera la fin. Le rest in peace. Version 2. Nous avons rempli notre mission. Ils vont pouvoir maintenant réussir leur vie. Je suis fier de les avoir aidés. Pour le Père, le Fils. Et le Saint-Esprit. Amen. La vie fait. Elle est longue. Putain, il met du temps à se réveiller. Je ne regrette rien. Je suis d'origine grecque. Non!